Allez, c'est l'heure de la culture avec vous, Julia, bonjour. Bonjour. Et on va commencer en musique cette semaine. On va commencer en musique avec un dandy français à la voix puissante. Voici Ask Hoog et son troisième album French Kiss. Alors retenez bien son nom si vous ne le connaissez pas encore, parce que sa voix, vous ne l'oublierez pas. Protégez vos enfants, ça va péter comme l'orage un soir d'été. Faites tonner tambour et envoyez guitare. L'hiver approche, ces nuages noirs. Fermez la porte, sortez couvert, évitez la rue principale en cas de course à faire. Ils sont partout tirés à vue en rafale. Ask Hoog, son nom dans la vie, et il y a du Gainsbourg dans ce garçon, du Bachung c'est vrai, mais du Gainsbourg aussi. Comme Gainsbourg par exemple, il a commencé par l'art plastique, il est venu à la chanson beaucoup plus tard. Sa première chanson, il la chante à 35 ans, mais il était sur scène bien avant, notamment comme bassiste, aux côtés de Louis Chédid par exemple. Et puis comme Gainsbourg, il ose les métaphores un peu olé olé, il chante par exemple, crochez-vous Henri, ça va vous plaire, ce va-et-vient entre une tête pas trop mal faite et un corps maladroit. C'est pas de vous, c'est de lui, mais ça aurait pu être de vous. Du coup, certains le disent provoque, mais lui, il en pense quoi? Je suis pas si provocateur que ça. Je m'offre de la liberté, c'est tout. Mais ouais, il est libre à ce que Hoog, ok? Et ce que je préfère chez lui, c'est sa vision de la vie, de l'amour aussi, de ce qui est et de ce qui ne sera pas. À l'image de la dernière phrase de son titre, La Dispute. Alors, amour de ma vie, tu ne seras jamais mon ami. Il argumente, chope un ulcère, se sert une bière. Il crie, il dit, il lance qu'il fuit. Regarde comme nous avons rétréci. T'as pas les bonnes réponses aux griffes et talons qu'elle enfonce. Et puis, vous n'êtes pas amis. Ask Hoog raconte des histoires et pose sur notre monde un regard affûté et parfois pour ce faire, il use d'un stratagème poétique. Écoutez-le. J'avais envie de m'engager un peu politiquement et de parler de notre époque quand même qui est particulière. On sent que ça pète un peu dans tous les sens. Mais encore une fois, je voulais pas effrayer tout le monde. Donc je me suis dit, on va faire comme Jean de La Fontaine, on va parler des humains en utilisant les animaux. Donc je décris presque une attaque apocalyptique, mais menée par des scarabées, des cerfs, des biches. Et ça me donne plein d'images en tête. Attaqué par des biches, oui. Et des cerfs et des scarabées. Apocalyptique. Ask Hoog aime la scène parce que sur scène, il ose des choses. Il s'en sert comme d'un laboratoire pour tester de nouveaux sons et de nouvelles chansons. Et ça tombe bien puisqu'il est en plein cœur d'une grande tournée qui a démarré en octobre dernier et qui fera un petit stop au Silencio. Ce sera vendredi soir à Paris. Merci beaucoup, Julia.